Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la dernière émission de ce mois d'octobre rose. Nous avons évoqué le dépistage, les traitements, l'après-cancer et aujourd'hui nous nous posons la question de la chronicité du cancer du sein. Pour m'accompagner comme d'habitude Valéane Monio, bonjour. bonjour. Vous êtes patiente partenaire à Bergonnier diplômée dans l'accompagnement. Des, des patients. Euh, pour répondre à la question, donc, le cancer est-il une maladie chronique euh, Je vous remercie, mesdames, d'être présentes autour de ce plateau. Laura Salabert, vous êtes oncologue médicale et Marion Barrault, vous êtes psychologue. Alors, docteur Salabert, qu'est-ce qu'un cancer du sein métastatique pour que l'on comprenne déjà tout de suite la définition de ce terme un cancer du sein métastatique, c'est un cancer du sein qui a su envoyer des cellules cancéreuses dans d'autres organes, c'est-à-dire qu'on retrouve des boules de cellules cancéreuses dans d'autres organes, par exemple les ganglions, les os, les poumons. C'est des cellules qui viennent du cancer du sein, qui a soit été traité plusieurs années avant. Des fois, on diagnostique aussi sous des métastases en même temps que le cancer du sein. On parle alors de maladie chronique parce que. L'objectif des traitements proposés va être de contenir l'évolution de la maladie le plus longtemps possible, euh, de pallier aux symptômes qui sont provoqués des fois par cette maladie métastatique, mais également de prendre en charge la patiente dans sa globalité. En fait, quand une maladie est métastatique dans la plupart des cas, on ne pourra pas complètement éradiquer les cellules cancéreuses. D'où voilà le terme de maladie chronique et de traitement chronique. Est-ce que du coup on peut vivre normalement ah, c'est une Question complexe parce que la normalité déjà qui est subjective à une personne. Sûr, hein, parce la normalité, hein, euh, cette normalité elle est souvent déjà rompue au moment du diagnostic de métastase de cancer du sein, hein, d'autant plus que des fois, comme je vous disais, les métastases sont symptomatiques et ça favorise cette rupture de normalité. Hein. Ouais. Euh, le but des traitements effectivement va être d'essayer de faire que la patiente vive la vie la plus normale possible ou en tout cas d'obtenir une qualité de vie satisfaisante et on va l'aider hein. on va l'aider pour ça mais euh, mais donc le traitement qu'elle prend ne l'empêche pas de, de en de, tout cas on essaye vivre, voilà qu'il y a des secondaires voilà mais on essaye de faire qu'elle retrouve une vie voilà normale que ça soit sociale, professionnelle, personnelle euh, et de reconstruire une nouvelle vie normale parce que souvent en fait c'est plutôt reconstruire une normalité pour elle. Et justement, quels sont les traitements qui sont proposés dans le cas d'un cancer métastatique Alors, je citerai deux grandes catégories de traitements, euh, les traitements médicamenteux systémiques et les traitements focaux. Euh, les traitements médicamenteux systémiques sont la catégorie la plus prépondérante, puisque puisqu'effectivement, vu que la maladie a diffusé dans d'autres organes, euh, les traitements qui vont agir partout sur les autres organes et sur les potentielles cellules circulantes, parce que pour avoir su diffuser, il y a... Des cellules tumorales circulantes, les seuls traitements qui peuvent agir partout, c'est les médicaments qui vont diffuser partout. Euh, il y a plusieurs types de traitements dans la prise en charge des cancers du sein. Pour choisir le bon traitement, on cède d'une sorte de carte d'identité de la cellule cancéreuse, euh, c'est-à-dire on va analyser la cellule tumorale suite à un prélèvement soit d'une métastase, soit de la tumeur primaire. On recherche principalement trois types de récepteurs, deux qui sont des récepteurs aux hormones, œstrogène et progestérone, et un troisième récepteur qui s'appelle HER2. Euh, si ces récepteurs sont positifs, ça va nous guider dans les traitements. Si les récepteurs hormonaux sont positifs, ça veut dire que les cellules, elles, se nourrissent d'hormones produites par l'organisme pour proliférer. Et donc, euh, l'hormonothérapie, qui porte pas très bien son nom, euh, va plutôt viser à stopper la production d'hormones par l'organisme pour empêcher de nourrir les cellules cancéreuses. Donc là, on proposerait plutôt une hormonothérapie en cas de récepteurs hormonaux positifs, qu'on associe maintenant à des thérapies ciblées, qui sont des inhibiteurs euh, euh, de la réplication de la cellule et qui vont potentialiser l'efficacité de l'hormonothérapie. Si le récepteur HER2, donc le troisième récepteur, est positif, on propose une sorte de vaccin protéine qui cible ce récepteur, qui va se, euh, se fixer sur ces récepteurs pour empêcher, pareil, qu'il y ait tout un tas de protéines qui viennent nourrir ce récepteur et favoriser la prolifération de la cellule. Euh, un traitement très fréquent ciblé contre ce récepteur, c'est l'herceptine ou trastuzumab, qu'on associe volontiers par contre à de la chimiothérapie, au moins initialement. Si les trois récepteurs sont négatifs, on s'oriente plutôt vers de la chimiothérapie puisque on ne peut pas utiliser une des deux autres voies voilà, de nutrition des cellules cancéreuses. Euh, un autre traitement médicamenteux important qui est pas vraiment un traitement anticancéreux, mais qui pour moi voilà, me semble assez important, euh, un cancer du sein métastatique est souvent métastatique au niveau osseux, notamment quand les récepteurs aux hormones sont positifs, et donc on utilise fréquemment un traitement qui vise à renforcer les os. Pour éviter tout ce qu'on appelle les événements osseux à type de douleur ou de fracture. Donc, ça, c'est un traitement qui me semble assez primordial et qu'on met en route en cas de diagnostic de métastase osseuse. Concernant l'autre catégorie de traitement dont je vous ai parlé initialement, les traitements focaux, eux, ils visent plus à traiter une métastase ou du moins à traiter les symptômes induits par une métastase, principalement la douleur. Je reparle encore de la douleur. Il y a plusieurs types de traitements focaux il y a la radiothérapie. Euh, la radiologie interventionnelle, ça c'est des techniques sous scanner, les radiologues qui vont griller par le chaud ou par le froid une métastase. Et après, il y a certes, des fois certaines chirurgies aussi qui sont possibles de métastase. Voilà. Et du coup, ça permet d'enchaîner sur les, les nouveaux traitements. Est-ce qu'il y a des nouveaux traitements Et, et plus particulièrement, est-ce que vous pouvez parler de la recherche clinique oui, il y a des nouveaux traitements. Heureusement, il y a plusieurs voies de recherche dans la prise en charge des cancers, dont les cancers du sein, qui sont des cancers très fréquents. Euh, rien que cette année, on a de nouvelles molécules qui sont disponibles contre le récepteur HER2. Donc, ça, c'est une belle avancée. Euh, voilà. euh, la recherche clinique, justement, se vise à valider euh, ces nouveaux traitements. C'est-à-dire que quand une molécule paraît intéressante sur des phases précliniques, ben, voilà, on fait des, euh, des essais cliniques chez de nombreuses patientes pour valider cette nouvelle molécule, voir son efficacité. Est-ce qu'elle est plus efficace que le traitement qu'on connaît déjà ou pas Qu'est-ce qu'elle apporte en plus Et surtout, vérifier aussi sa tolérance et les effets secondaires potentiels. Dans le cadre de sa prise en charge, une patiente peut tout à fait participer à un essai clinique. Euh, si elle le fait, c'est de manière libre. On n'obligera jamais une patiente à participer à un essai clinique. Et surtout, on recueille ce qu'on appelle son consentement éclairé, c'est-à-dire que le médecin oncologue qui prend en charge la patiente lui explique quels sont les bénéfices attendus de cette nouvelle molécule, quels sont les effets secondaires attendus aussi, quelles sont les contraintes de l'essai clinique, parce que souvent les essais cliniques nécessitent une venue plus régulière à l'hôpital, ça il faut le savoir, pour une surveillance un peu plus rapprochée. Et, voilà, Et patiente... j'imagine que vous avez quand même des patientes facilement qui sont volontaires sur oui. des... Oui, oui généralement, exactement, parce que ça apporte aussi une cartouche thérapeutique en plus, potentiellement. Donc voilà. Alors on va s'intéresser, docteur euh, Barrault, à, à votre activité, votre accompagnement. Comment faites-vous pour euh, euh, être euh, auprès de, de ces euh, patients, de ces euh, malades d'un cancer métastatique L'enjeu finalement de l'accompagnement des personnes dans ces situations-là, c'est de pouvoir permettre l'accès à l'ensemble du panel de soins oncologiques de support. On sait que plus précocement ce type de soins sont proposés, meilleure va être la qualité de vie, et ainsi qu'on a des essais qui montrent clairement que ça a même une incidence sur la durée de vie, sur l'espérance de vie. Donc il y a vraiment l'idée de promouvoir une prise en charge centrée sur la personne, de permettre l'accès du coup à un accompagnement psychologique, social, des aidants, enfin bref tout ce qui peut permettre de soutenir l'autonomie de la personne, lui permettre d'avoir des choix. Donc les programmes d'éducation thérapeutique sont typiquement des programmes qui permettent de soutenir le développement des compétences de l'individu, de connaître, Mieux les traitements, mieux appréhender par exemple la gestion de la douleur euh, et aussi soutenir les aidants qui euh, forcément sont impactés tout au long euh, du processus de la maladie, euh, quel que soit de toute façon euh, le stade de la maladie. Donc cette préoccupation d'un accompagnement global, elle est extrêmement diversifiée en fonction de, euh, des, des besoins, besoins de l'individu. Euh, on essaie vraiment de construire quelque chose qui. Euh, prend aussi en compte bah, les connaissances, les ressources et de soutenir euh, les ressources qui sont déjà existantes. Euh, L'enjeu, c'est aussi de, de pouvoir appréhender ce, cette question de l'incertitude. On a une maladie chronique euh, dont on ignore la durée. Donc ça, c'est un enjeu, c'est un défi psychologique en matière d'adaptation. Donc euh, maintenant, les études montrent que l'accès à des interventions non médicamenteuses euh, et, et fortement sollicité par les patients. On a des données vraiment empiriques solides qui, qui montrent les bénéfices que ça a de pouvoir utiliser des, des approches, notamment basées sur la pleine conscience. On a des, vraiment un intérêt sur le fait de. La méditation, euh, la oui, ces juges, approches. Hypnose, ou ce genre d'approche. Ça, c'est des approches du coup psychocorporelles. Voilà. On a des données, de, on va dire, plus ou moins solides en fonction des approches. L'enjeu c'est de permettre de, de comment dire utiliser, être vraiment pleinement euh, présent à l'expérience quotidienne et de ne pas être contaminé par les ruminations anxieuses, l'anticipation de comment la maladie peut évoluer parce qu'on sait que très clairement ça coupe la personne de ce qu'elle est en train de vivre. Du coup, être sans arrêt, en train de penser à demain euh, ce sur quoi on n'a pas de prise, euh, et euh, très anxiogène évidemment et aussi euh, on sait qu'à terme génère des troubles émotionnels durables et euh, du coup rajoute encore un fardeau dans la prise en charge de la maladie alors dans la maladie et quand elle euh, quand elle avance euh, et que euh, on peut craindre aussi quand on est on est un patient euh, que euh, sa fin de vie finalement soit difficile et donc à ce moment-là, il y a des, des demandes qui sont faites aux, aux médecins pour, pour ce moment-là, pour que finalement ils se sentent partir quand ils ont envie que ça se passe. Alors j'imagine que là vous faites référence aux directives anticipées. Euh, les directives anticipées, c'est de permettre de faire entendre sa voix quand on ne sera plus en capacité de ouais. la donner. La, le recueil des directives anticipées, c'est une démarche qui peut se faire à n'importe quel moment de la vie et euh, à n'importe quel moment de la maladie. Euh, effectivement, quand la maladie progresse, ça peut être l'occasion d'ouvrir un dialogue avec euh, l'équipe soignante, avec aussi la famille, sur euh, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Euh, et euh, et qu'on fasse savoir le fait qu'on a émis des souhaits sur sa fin de vie, mmh. ce qui aussi peut permettre, même si c'est évidemment des discussions qui sont euh, difficiles, mais qui en même temps peuvent être très soulageantes pour la personne de s'être entendu euh, déresponsabiliser aussi sa famille sur euh, les ça, choix que, À un moment donné, si le, le patient n'y vient pas, est-ce que vous, vous, vous l'amenez un petit peu à, à lui poser cette question-là ou... C'est compliqué. Alors, c'est toujours une évaluation pluridisciplinaire autour du projet de soins. Il y a des personnes pour qui, petit à petit, ça va pouvoir être évoqué. Il y en a pour qui ça ne sera jamais vraiment possible. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs à travailler ensemble avec une lecture différente de la situation de, de la malade. Et euh, du coup, après, est-ce que, que ce soit avec un oncologue ou un psychologue, est-ce que les, les patientes ont le choix de. de, de, de est-ce qu'elles peuvent donner leur avis sur leur prise en charge, sur leur traitement Oui, bien sûr. Hein, bien sûr hein. À chaque moment où on propose un nouveau traitement, euh, au moment du diagnostic de métastase ou en cas de progression des métastases sous le traitement actuel, déjà en tant qu'oncologue, on pèse un peu la balance bénéfice-effet secondaire. Euh, en tenant compte aussi de l'état général du patient, parce que des fois, on peut être plus délétère avec nos traitements que bénéfique. Et dans tous les cas, voilà, on en parle au patient. Et on... mm -hmm. si le patient ne souhaite pas suivre de traitement, on n'oblige rien. Bien entendu, c'est une discussion. Change. Après, voilà, si on pense qu'un traitement a un réel intérêt euh, pour la patiente, euh, c'est pas qu'on insiste, mais voilà, on... mm -hmm. voilà. On on essaye quand même de le motiver et euh, oui. mais voilà évidemment on n'oblige jamais un patient ou une patiente à faire un traitement et après ils, ils peuvent peut -être, peut être échangés après, du coup, on peut être amené à ouais. nous rencontrer les personnes qui seraient dans des situations de mmh. refus de soins pour essayer de comprendre ce qui ne veut pas dire mmh. obligé mais en tout mmh. cas euh, bah, parfois il y a une maladie psychiatrique ou il y a des problèmes de compréhension il mmh. euh, y a les représentations autour des médicaments aussi qui vont évidemment influer sur le choix. Donc ça permet d'avoir une vision beaucoup plus large de la situation mmh. et, et qu'on s'ajuste de façon collégiale. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé Merci. à cette, cette dernière émission des programmes que vous pouvez regarder et re-regarder sur le site de sudwest.fr.